Hey, salut tout le monde, c'est KiritoKnight064. J'espère que vous allez bien parce que cette fois-ci, on est là pour un nouvel épisode des combattants de Dead or Alive 5 Last Round. La dernière fois, c'était au tour de Ryu Hayabusa et cette fois-ci, c'est au tour de Hayate. On est parti! Allez, je rappelle le principe. Je prends un personnage du roster et je le fais combattre contre le même adversaire durant 8 combats de 1 round, histoire que ça ne dure pas trop longtemps non plus. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu de gameplay de ce personnage et pour voir un petit peu tous les styles de combat que propose le jeu et donc de voir lequel pourrait éventuellement être votre préféré. Il y en a déjà pas mal sur la chaîne, la playlist se trouve soit dans la description de cette vidéo, soit dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et je vous dis à bientôt! もはや敵なし。 Que le deuxième round commence. Hayate, oh, c'est un perso facile à gérer, on devrait pas avoir trop de soucis avec. C'est le personnage des débutants. Ou c'est Ayne, j'ai un doute. Non, je crois que c'est Hayate. Oh, Ayne aussi se joue facilement. Très facilement pour les débutants. Non, 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 non. Elle m'a eu. Bon, d'accord, elle m'a eu. J'admets. Mais on va pas en rester là, hein. Non, 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 non.
On est reparti. On sort les costumes d'Halloween. もはや敵なし。 Pour le prochain, ça sera un match spécial Fairy Tail. Accrochez-vous!
Bang bang, looky look. Bang bang, looky look. Celui qui a le truc pour vous étonner. Ah mais c'est pas Lucky Luke. Ah merde. Et maintenant, le match que vous attendez tous. Le combat de maillot de bain.
Ben voilà, c'est la fin de cet épisode des combattants de Dead or Alive 5 Last Round. En espérant bien sûr que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, ce sera Mai Shiranui.